éloigné du plaisir tel qu'on le pense. Je me suis noyé sans limite dans cette démence. Yeah.
Shame.
Vous êtes des malades? Ça se passe bien? Détruit les anti-sèches. Nous, on fait ça, le musée comme un cabri, on voit que tu es vieux, etc. J'ai mon fan à moi. Il est vite, on n'a pas de truc que je vois. C'est pas vrai. Merde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que le festival se passe bien? Est-ce qu'il y a des doléances maintenant? Est-ce qu'il y a des trucs à dire à William qui ne vont pas? Oui! Est-ce que ça manque pas un petit peu de Talon et lui? Est-ce que ça manque pas un petit peu de Père Deloche? Est-ce que ça manque pas un peu d'alcool fort? C'est mal. Il ne faut pas que tu penses comme ça. Dieu te regarde. Cette chanson, elle s'appelle USA! Vous expliquer, c'est
Non, ça c'est des âges pour eux. Des fois tu dis des trucs que tu penses pas. Cette chanson, Retour à l'addiction, j'en ai assez parlé, je vais encore en parler sur France 2 le jour. Voilà. Et les choses qui sont plus fortes que nous. Moi j'ai perdu. Cette chanson s'appellera écouter. Ceux qui étaient nés dans les années 80. Ouais, qui va faire plaisir aux vieux. Ouais, je vais jouer un extrait d'un fils du métal, c'est je vous demande votre tolérance. C'est la troisième fois que je joue cette chanson avec cette formation. En même temps, on l'a bien joué à Lyon. Il y a d'ailleurs un mec qui est venu de Lyon. Merci d'être venu de Lyon. Tu es notre fan de Lyon. Si on en a un dans chaque ville de France, on continue 10 ans. Cette chanson s'appelle Quand les héros sont morts. Down.
Et c'est moi qui ai le micro. Je vais décider ce qu'on va faire maintenant. Là, vous avez applaudi, vous avez applaudi, vous avez applaudi. Est-ce que vous avez applaudi autant pour un album qui a été... C'est la première fois de ma vie dans ce putain de groupe où j'ai, on obtient l'unanimité des médias avec le sex opéra. J'ai attendu 30 putains d'années pour que n'importe quel journaliste, les vrais, les faux, les mangeurs, les gentils, les méchants, ceux qui croient que ce journaliste fait le jeu de français avec le mot, ceux qui n'ont pas été à l'école, c'est un métier avec la base. Bon, vous avez expliqué ça, moi j'ai 52 ans. Alors bon, le journaliste, c'est un métier. C'est pas juste un chien, trois photos et 4 litres de texte, c'est un boulot. Ben, c'est la première fois de ma vie. Il n'y a pas eu critique sur mon putain d'album de cette année. Cette chanson s'appelle Promis. Oh,
Merci du fond du cœur. On va jouer une deuxième chanson extraite de Sex Opera. Est-ce que vous savez ce que c'est que du pif? Donc, quand tu es jeune, tu sais ce que c'est qu'une MILF. C'est ça ou pas? Qu'est-ce que c'est une MILF? Tu sais ce que c'est? Ça veut dire Mother I Like to Fuck, c'est-à-dire c'est une femme d'âge mûr que t'aurais envie de... à qui t'aurais envie de casser les pattes arrière. Tu vois ou pas un petit peu ce que je veux dire dans ton cerveau de jeune? Cette chanson s'appelle MILF. To me.
vous savez, quand, dans les années 80, on aurait mélangé ce genre de thème de Pascal, de funk, etc. C'était sacrilège. Là, on passait pour des hérétiques. Ah, je les vois pas, pour les vrais intégristes du métal, les mecs qui connaissent trois accords, ce qu'on vient de faire là, ça n'existait pas à l'époque. Quand ça tourne comme ça, que t'as envie de danser comme Prince, là, c'est que tu pètes un câble. Hein. Tu veux que je te passe par le jour avec un pas, je vais pas. Méfie-toi. Méfie-toi de ce genre de demande. Méfie-toi de ce genre de demande. Ce groupe est multicarte. Et multitoxique. Bon, ça suffit. Maintenant, rentrez chez vous. Je déconne, tu vois. C'est quoi la liste, en fait j'ai... C'est n'importe quoi. Moi, j'ai une espèce de liste écrite en soviétique. Je voudrais vous présenter Alida, mon frère d'armes, celui qui joue également au fur et à mesure. Thank you.
on vient aux sources, on revient. Marc Bollin, en commun, qui est parti trop tôt. On aurait pu faire Prince, mais lui, il est parti trop tard. C'est dommage, c'est une blague, bien entendu. Au bout de 30 ans, il y en a quand même quelques-uns qui font non, mais là, ils déconnent. Ou pas. Je vais vous présenter celui grâce à qui cette reformation absolument inattendue, et je peux vous jurer sur ce que j'ai dit cher, que je n'avais vraiment pas l'intention de rencontrer ce groupe. Déjà paix à l'âme de Laurent Bernard avec qui j'avais monté ce groupe, mais il n'y avait qu'un seul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y avait qu'un seul bassiste qui pouvait remplacer Guillaume Laurent, et c'est lui qui m'a poussé à faire cette reformation. Je vais vous présenter pour quelques secondes seulement parce que je ne vais pas faire des très bons solos ce soir. Et tant mieux pour ceux à qui ça casse les couilles. En même temps, hein. Mais moi, ça me fait respirer, toi. Monsieur Pascal Milou à la basse. Thank you.
les avenirs. Un jour la joie, un jour la paix. Thank you.
Michael Sovita à la guitare. Aurélie Zouillas à la batterie. Pascal Milot à la basse. On vient dans 2 minutes 42, le temps de changer de string ficelle, faire des signures et tout ce que vous voulez, des embrassades sur la bouche, au stand de merchandising. Merci pour votre accueil. Ouais. Leader, compositeur, batteur du groupe depuis 83. Merci, vous avez. Allez, merci beaucoup.